PEGI 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Recoucou tout le monde, j'espère que ça va. Alors, franchement, on est bien là. Donc j'ai trois véhicules à fouiller. Encore, et après c'est bon. Donc ça, c'est plein. Ça me permettra de démonter des armes. Attendez. C'est quoi que j'ai le plus, en fait, dans mon inventaire que je pourrais me débarrasser, par exemple? Hachoir à tout faire. Elle est quand même intéressante. Donc c'est là, de toute façon, je pense que la cloutée, là, je vais vraiment la mettre à fond. Je sais pas si je peux l'améliorer, la cloutée. Non, négatif. Ah, c'est dommage. La cloutée, il nous manquera quoi? Ça va être un peu comme une arme légendaire, la cloutée. Hein. Non, celle-là, j'ai pas. Donc là, il nous manquera des armes, etc. Ça va, mais de toute façon, je suis quand même content de ce que j'ai. Alors, rapidement, ici, la barre... Ouais, bah, la barre, en fait, elle aura plus besoin vraiment d'une vraie importance. Très difficile ou pas? Ouais, très difficile. Bon, profitons-en pour abattre des zombies. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est lui qui me crache dessus. Oh là là, hey, mais eux, des qui vomissent dessus, ils vomissent complètement dessus. Non, il y a encore un autre qui me crache dessus. Eux, c'est les pires. Parce qu'en fait, dès que tu les tues, ils explosent. Leur estomac plutôt explose. C'est bien. Je suis quand même content de les avoir bien abattus là. Donc là, je vais fouiller rapidement leur corps. Oh là là, c'est un asile de fou quand même ce jeu. Hein. Parfait. Donc maintenant, il n'y a personne aux alentours. Putain, il est déjà là lui. Il va s'envoler, regardez bien. Bon bah, ça y est, il va m'attirer d'autres ennemis. Merde. Tu sais quoi, je refais ma technique, je m'en fous. Ça plaît ou ça plaît pas, ça fait partie du jeu. J'ai pas envie de tuer mes armes. Allez, venez. Voilà. C'est une technique, hein. C'est pas juste pour le plaisir, hein. Regardez, comme ça j'économise mes armes pour plus de choses concrètement. Voilà, putain, il y a encore un autre qui arrive. Eh, ça va être de la fête, hein, dimanche aujourd'hui, hein. Je pourrais jamais crocheter en fait, hein, tranquillement, à cet endroit. Hein. Non, il est pas encore mort. Tu viens ou tu viens pas finalement? Allez, viens. Allez, encore viens, un petit instant. Allez, viens, dépêche-toi, je dois crocheter moi des serrures. Parfait. On va les fouiller tous maintenant. Ça me donne pas forcément beaucoup de pièces là. Bon, ouverture, très difficile. Eh merde, déjà. Mais eux, ils vont à une vitesse. Faut que je me soigne avant qu'ils nous fassent encore des dégâts. Bah allez, viens. Parce que je peux le toucher comme ça, mais regardez, mon arme par contre, je vais l'endommager après, ça sert à rien. Elle est déjà morte. Bon, alors j'en étais à où? Jamais réussir là-dedans, dis-moi. Merde, c'était presque ça. Ah, dommage, dommage. Faut légèrement incliner. Il y a un peu trop de tension, je trouve. Oh, c'est chaud leur truc là. Bon bah par contre ça reste vraiment la serrure la plus dure du moment. C'est pas vrai. Alors rapidement. Ah, c'est fou comment des fois ils font des serrures. C'est pas fastoche, hein. Trouver le bon équilibre. Eh ben pour une fois, je casse beaucoup de crochets là.
À mon avis, la récompense sera beaucoup plus grande. Merde, j'étais pas loin. Donc c'est un peu penché qu'il veut que je fasse. Un peu trop penché à mon goût. Il faut trouver vraiment le vrai truc, hein. Ah ouais, eux, ils veulent vraiment qu'on croche au millimètre, là. Attendez. Merde, en plus, je viens d'avoir la livraison qui va tomber. Oh, mais c'était presque ça. Après, il faut que j'aille courir chercher la livraison, hein. Oui, oh non. Putain, mais il me le faut parce que je suis sûr qu'il y a une... il y a un lance-roquette ou je sais pas quoi à l'intérieur. Ah, c'est des fous furieux tout ce qu'ils ont mis. Hein. Ouais, youpi. C'était pas gagné. Pourquoi? 150. Intéressant ça. Bon, rapidement. Ça me plaît bien ça. 150. Inventaire, body. C'est quoi que j'ai dans les mains là? Ah, mais en fait, je suis con, je peux démanteler ça moi. J'ai des trucs qui me servent à rien. Par exemple, ça, ça me sert plus à rien. Le hachoir, le pied de biche là que je possède, il me sert à rien. 107. Voilà, fallait juste le dire. Ici, on a quoi? Facile. Bon, pour une fois, ça va changer, hein. Ouais, facile, pas si facile que ça non plus, hein. Alors, on a deux trucs de soins. Ah oui, je profite parce que c'est pas tous les jours qu'on a autant de camions ouverts, quoi. Voilà. Et maintenant, je vais rapidement sur une zone que vous aimez pas forcément. C'est juste ici que j'ai besoin d'y aller. À mon avis, je vais pas être tout seul. C'est ça un petit peu qui va être la galère. Ok, parce qu'en fait le pactage, c'est le, ça va être vraiment un truc qui va vraiment être utile, très utile. Ça nous permet d'avoir énormément de points pour être beaucoup plus robuste après. Ne vous inquiétez pas, après on va courir sur la mission. Bon, je suis pas tout seul, j'avais raison. Eh merde. Bon, on fait comme tout à l'heure. C'est le seul truc que j'ai trouvé. Bah, ils sont trois par contre, hein. Louloute, il est juste là. Attendez, on va encore s'amuser. Par contre, je suis en train d'attirer énormément de zombies dans mes propres conneries. Grenade maison. Bon, comme ça, on pourra expérimenter des conneries. Ils sont déjà là en train de m'embêter, eux. Il est passé où, lui? Ah, mais il court. Ah, c'est même moi qui a explosé avec ma propre connerie. Oh non! C'est bon, il les a tués? Nickel. C'est bon, j'ai une faucille là, bizarre là. Oh, 120. Vous êtes où là, les gars? Encore un petit effort. Viens, mon petit. C'est quoi ça? Oh, un couteau. Pas, il est pas fort sans couteau, donc ça sert à rien. Mais ça va me permettre tout simplement de le démanteler et me faire plus de points. Donc son troisième copain, il a pris la fuite. Hein. Est-ce que les caisses, il y a énormément de choses à gagner. Hein. Voilà. Il y a quelque chose, j'aurais pu même activer. Lui, il est pas mort, j'espère, si. Non, en fait, il a pris la fuite. Ok, bon, on le saura. Bon, nous, on y va, hein, sur l'objectif maintenant principal. Nickel, c'est bon. Ah oui, je devais démanteler ça avant qu'il soit trop tard. Donc ça, c'est bien. 108, c'est pas intéressant. 150, 107, 128, 92. C'est quoi qu'on avait encore trouvé? Bah en fait, c'est juste ça. Clouté. Ça, c'est combien? 91, c'est plus vraiment le truc le plus important, quoi. C'est bien. Je suis dans quelle zone, là, sur la carte? Je suis dans cette zone. Ok, donc déjà, on n'est pas dans la bonne direction. Si, on est dans la bonne direction.
En fait, je cherchais aussi d'autres choses à côté. Eh, mais ce jeu-là, ils ont tellement mis de choses. Ils ont même caché des secrets, hein. Pour avoir des armes légendaires ou je sais pas trop quoi. Je peux pas monter? Parce qu'à mon avis, ils veulent pas que tu sautes de l'autre côté. Y'a quoi là-dedans? Ah, je pense pas que tu peux y aller là-bas. Ça se voit trop que c'est bridé. Donc il y a un coffre en bas. Intermédiaire. Non, c'est pas le bon côté. Pour moi, c'est un truc assez chaud là. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est quoi cette connerie? 107. Bon, la batte, je t'aime bien, mais allez, va tout seul. Hein. La batte, allez, au revoir. Je suis pas fan des battes, moi. C'est galère. Bon, on est presque arrivé. Chercher. Maintenant, faut qu'on trouve notre copain qui s'est bien égaré quelque part, à mon avis. Je pense que le mieux, c'est de passer par le toit. Et d'observer ici. Je crois pas qu'il est quelque part là, lui. Bah justement, je crois que le mieux, c'est de passer directement par là, non? Il n'y a pas une entrée ou un truc comme ça? Entrer à l'intérieur. J'ai trouvé que des cadavres sur le pont routier. Il semblerait que Raïm ait réussi à s'enfuir. Je lui ai dit de se cacher dans la gare de triage. Il se peut qu'il soit toujours en vie. Tiens bon, Raïm. Bon, on va le chercher. J'ai encore un coffre. Ça, c'est bien. Toi, tu vas t'en aller d'ici. Va-t'en. Bon, oh ouais, d'accord. Donc il est juste là, lui. Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de partir en bas. Bon, nous, j'ai trouvé une seule solution pour pouvoir l'aider facilement. Alors, on va bien rigoler un peu. Oh là, tout ce que, comment je vais devenir riche, moi, en tout cas. C'est pour ça que je suis plein à fond, quoi. Ah, c'est tout ce que j'ai? Tiens, un cocktail Molotov, pourquoi pas? Je les utilise jamais. Voilà, ça au moins on sera tranquille. Je suis même pas sûr si ça va vraiment les tuer. Si ça, ça commence à les tuer. Voilà, il nous en reste plus que un. Qui va essayer de prendre feu aussi. Non, ça va, la propagation, elle va vraiment faire son effet ou pas? Bon, il va décéder dans pas longtemps lui ou pas? Négatif, il est plus robuste que les autres. Je peux même les fouiller en plus, ça tombe bien. Voilà. Encore un petit effort. Ça y est. Alors, il est à l'intérieur du wagon, lui, je crois bien. T'es où, t'es où, t'es où? T'es là. D'accord. Il va nous faire une petite danse, lui. C'est pas vrai. Il va nous faire une petite danse. Ah, il crache plus que les autres, celui-là. Pourquoi pas, j'en aurais besoin après. Merde, ça. Eh, par contre, les pieds. C'est bon, on l'a eu ou pas cette fois-ci? On l'a eu, le gros. Qu'est-ce que ça rapporte de l'argent maintenant d'ouvrir les. De fouiller les corps? Rain, je pensais pas y arriver, mais j'ai armé les bombes. Tout va sauter dans moins de 5 minutes. Tu saignes? Je me suis coupé, c'est rien. Va placer les bombes. Tu bouges pas, ok? Je reviens. Raïm, tu m'entends? Alors. Où je dois aller avec ces trucs? Merde. Il y a un accès aux égouts près du mur ouest. Passe par ce tunnel. Il te conduira jusqu'au nid. Bon, ça, on verra ça après. Mais comme un gros con. Je prends un truc d'endurance qui va pas me servir à grand chose. Parce que c'est juste idéal pour courir, mais pas pour.
pour faire ce que je suis en train de faire là. Ah merde. On s'est fait bien avoir là. La porte est bloquée. Attends, ils exagèrent ou quoi? Ah oui, là. On aura peut-être le temps. Mais mon effet là de boisson, il va disparaître. On m'a fait flipper. C'est pas évident. Dégage. On n'a pas le temps, nous. Oui, après, tu la places où? C'est bon pour la première. Coucou. Donc l'escalier... Je m'en doutais que j'allais me faire avoir par quelqu'un. Vous avez vu d'un coup comment le truc de gaz ça rapporte rien? Dégage. Heureusement que j'ai vraiment les atouts à fond. Hein. Non, je peux pas passer par là. Parce qu'il faut que je passe par là. Alors la deuxième colonne elle est là. Ah, ils m'aiment bien les zombies derrière. Hein. Sortir de là maintenant. C'est bien mignon, mais tu sors comment de là? Ah, franchement, on est même dans les temps, largement. On est largement dans les temps, c'est ça qui est cool. C'est heureusement que j'avais pris mes boissons énergisantes là, qui nous ont bien permis de pouvoir nous extraire rapidement. Donc, de toute façon, je peux que passer par là où je suis venu. Ouh là là, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Ah, tout le bâtiment s'est écroulé. Bon, par contre, je peux plus passer nulle part. Hein. Bon, bah, on est enfermé. Hein. C'est bien mignon, mais on s'est enfermé comme des débutants. D'accord, donc le bâtiment était déjà voué à la destruction. C'est pas vrai, ne me dis pas que je me suis bloqué comme un con maintenant. Je crois bien que oui. J'adore le chemin. Ah, c'est pas vrai. On s'est vraiment bloqué comme des débutants. Je peux pas y débarbeler partout. Ah, c'est pas vrai. Ah oui, mais il doit y avoir un réseau souterrain quelque part, non? Merde. Je peux pas passer par là. Oh non, je me suis fait rouler. Oh là, le vieux truc tout pourri. Je suis sûr qu'il doit y avoir un grillage un peu mort, quelque part. De toute façon, je dirais plus qu'il est vers là. Hein. Ah, mon dieu, c'est pas vrai, j'ai fait quoi encore? Je vois pas d'issue, hein. De toute façon, on peut pas y accéder. Putain, mais quel con aussi, moi. Non, mais faut que j'arrête hein, de chercher midi à 14h. Ah non, mais moi je pensais sincèrement que je commence. Vas-y, il faut que j'arrête de trop penser en fait. Hein. Ce qui m'arrive, c'est tout simplement que je cherche des échappatoires qui n'existent même pas en fait. Je suis pas sûr qu'il y ait une bonne endurance comme ça. Hein. Ah merde, par contre, il a pas le choix. Ouh là 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 là. Putain, mais vraiment, faut utiliser le truc quoi, sinon ça marche pas. Il est où lui? Il est à l'intérieur du wagon. Raïm, c'est moi. Raïm, t'aurais dû voir ça.
Tout le bâtiment s'est effondré. Putain de morsure. Espèce d'imbécile. Oh non, Jade. Rain, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? C'est Raïm. Et il est mort. C'est triste, hein? Bon, nous on y va, on va sortir d'ici. Parce que ça commence à devenir un petit peu tristouné là-dedans. Je crois que c'est là, la porte. Après, non, elle est juste en face. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, je suis arrivé par là, moi. Raïm est mort. J'arrive pas à le croire. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais dire à Jade? Il faut que je retourne à la tour. Que je trouve une solution. Bon, je dois démanteler un truc que j'avais pas démantelé tout à l'heure. Bon, ça, j'en ai plus besoin. Lâche modifiée, on va la supprimer. Barre de qualité, on va la conserver. La faucille. Alors là, c'est 109. Pareil, ça sert à rien. 125, je vais conserver que les trucs les plus puissants. Voilà. On a tout simplement quoi encore? 106, je vais enlever. 108, pourquoi pas, mais... histoire de dire que j'en ai une. Donc, c'est 128, c'est 125. Bon, je pense que le mieux, c'est d'enlever ça. H clouté. Alors, moi, ça me fait de la place, quoi. C'est ce que je veux dire par là, en fait. On sera vraiment bien. On a des bijoux, on aura beaucoup de choses vraiment cool là. C'est bien. Ah, ça coûte cher quand même le truc roi là que j'ai. Hein. C'est pour un truc légendaire à mon avis. Donc on a les crochets, on a des pétards, on a des boosts de vitesse. Tiens, justement, je vais en prendre un. Comme ça, on va aller un peu plus vite. Boost de vitesse. C'est quoi? C'est lequel sur lequel que je suis là? De vitesse. Allez, on court. Plutôt pas mal hein, comme connerie. Hein. Ça, c'est bien pour les missions où tu dois aller extrêmement vite, quoi. La vitesse qui va en plus, c'est ça qui est cool. Bon, d'autre façon, on est juste à côté. Il n'y a personne qui nous poursuit, ne vous inquiétez pas. Mais par contre, l'effet est quand même assez minime pour l'instant, parce qu'il faudra que j'améliore les plantes, les effets des plantes. Ah, voiture de police. Très difficile. Ouais, bah, je m'étonne, il doit encore avoir une arme ou un truc comme ça. Non, mais c'est pas ça que je voulais. Mais non, je veux fouiller le coffre. Bon, bah désolé. Tiens, justement, on a besoin d'un câble électrique. Mais sincèrement, on a un inventaire hyper bien rempli. Hein. La lame. Ouais. Peut-être que je pourrais améliorer quelques conneries. Je suis où là? Je suis sur un toit. D'accord, on est à côté. Hein. On n'est pas si loin que ça. Hein. Hop. Hop, ça tombe bien. Donc on a une escorte aussi, pas trop loin. Pas trop loin, elle est juste là, l'escorte. Qu'on fera un peu plus tard. Lui, je pense que c'est un mec qui vient d'apparaître, il a quelque chose à nous donner. Tu es un des volontaires. Tout à fait. Je peux faire quelque chose pour toi? Je crois que je peux t'éclairer sur la situation. Ça pourrait te servir. Ou pas.
Ok, je t'écoute. Ce n'est pas une info de première main, disons plutôt que c'est une rumeur. Mais ça concerne son frère, Hassan. Je sais pour Hassan. Il est mort, non? Et Rai s'accuse de Gérald. Et il a raison. Hassan était cloué sur un fauteuil roulant. Et c'était la seule personne dont Rai se souciait. Hassan calmait les ardeurs de son frère. Quand Rai voulait partir en guerre, Hassan nous poussait à chercher la paix. Et quand l'épidémie est survenue, Rice a demandé au GRE d'évacuer Hassan en premier lieu. Et ils l'ont pas fait. Il y a eu un conflit politique interne. À cause du ministère, le GRE traînait des pieds. Et Hassan est mort lors d'une attaque de zombies. Le GRE aurait pu le mettre à l'abri tout de suite. Ils ont choisi de ne pas le faire. Alors maintenant, Rice a perdu son sens moral. Il est libre d'imposer son caractère sadique et lunatique à toute la population d'Aran. Donc Rice a une dent contre le GRE. Et tu dis que c'est justifié? Je ne l'excuse pas. C'est un bandit vicieux. Un fléau pour cette ville. Je voulais juste t'aider à comprendre l'ennemi que tu vas affronter. Compris. Merci. Ok, heureusement qu'on l'a écouté. Maintenant, on va savoir qui nous attend. Regardez cette belle livraison. On est à combien de points là? Compétences, on est à 32 552. Et voilà. Ça c'est mignon ça. Alors maintenant on est... Oh lolo, fou lolo. On a augmenté carrément de 60 000 quoi, comme vous avez pu voir. Hein. Vraiment le kiff quoi. Alors ça c'est quoi ça? On a des grappins maintenant. Apprendre à fabriquer et à utiliser des grappins. D'accord. Ça, c'est quoi ça? Apprendre à attaquer les infectés quand vous êtes camouflé, sans attirer leur attention. Bah voilà. Mais moi, je préfère encore faire des grosses bombes. Mais là, je vais plutôt prendre les plantes, comme je vous l'avais expliqué. Comme ça, on aura des effets beaucoup plus longtemps. Donc les plantes, après la prochaine, ce sera la dynamite. C'est bien. Franchement, je suis content. Allez, on va vite fait parler avec la fille. Brecken. Comment? J'ai dû le tuer. C'était trop tard, il avait basculé. J'avais pas le choix, je te jure. Et c'était mon ami aussi. Mon meilleur ami ici. Je sais, je sais. Il me rendait dingue parfois, mais... Mais je l'aimais comme un frère. Un autre ami qui nous quitte. Un autre frère qui nous quitte. C'est moi. C'est moi qui lui ai confié les explosifs. Pour sang. Si je l'avais pas laissé là, il serait peut-être encore en vie. Oh non. Jade! Jade! Attends! Jade! Merde! C'est bon. Laisse-lui. Laisse-lui un peu de temps. On se retrouve pour la suite, ça va être chaud. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et j'ai créé aussi un site internet. Ça vous permettra de tout simplement trouver pas mal de choses très intéressantes dessus. Tous les liens sont dans la description, et si vous cherchez aussi des bons plans, c'est également dans la description. A bientôt les amis, prenez soin de vous, et à très bientôt.